Et toi? Oui, toi! Tu aimes réaliser des courts-métrages? Tu aimes la création littéraire? Les arts de la scène, la musique, le théâtre, les arts visuels? Et les voyages de formation à l'international? Et tes parents te disent toujours... Ah oui, c'est l'artiste de la famille! Puis en plus, va y ouvrir plein de portes pour l'université! Eh bien, le programme d'art, lettres et communication est fait pour toi. J'étais un petit curieux, j'étais un touche-à-tout, et puis tous les styles d'art m'intéressaient. Pour son côté multidisciplinaire. Parce que il nous donne la possibilité de produire des œuvres dans les quatre grandes disciplines, mais aussi de les diffuser dans des milieux professionnels. Puis on explore les quatre grandes disciplines artistiques. Les arts visuels, le théâtre, les médias, puis la création littéraire. On a accès, bon, pour le volet communication et médias, à des tables de montage. On a aussi un local où est-ce qu'on a pour pratiquer la musique. Il y a deux drums, il y a le piano. Les étudiants ont la chance de pouvoir faire un stage pour une immersion culturelle à Paris. L'hiver dernier, on est allé faire un stage de tourisme équitable au Costa Rica. Le personnel est vraiment ouvert à ce que si on a des idées, on est capable de les concrétiser. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, d'être libre de faire ce que je veux au fond avec mes idées. Ce qui m'a particulièrement fait triper dans ma formation, c'est bien sûr tout l'aspect cinéma. C'est en ça que je m'en vais étudier d'ailleurs à l'université. Je m'en vais faire mon bac en cinéma. J'aurais jamais su que j'aurais eu autant d'intérêt en art visuel et en théâtre. C'est pas tout le monde qui prend les décisions au même moment de leur vie ou qui est prêt, qui savent dans quoi ce qu'ils veulent s'en aller. Fait que je suis très content, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même et de grandir pour me préparer à l'université.